Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo de comment faire une scène. Et on se retrouve tout de suite sur le lieu du tournage. Direct pour le tournage du Alinette. Yeah. Alors donc là, on est en train de chercher un lieu pour le tournage. Donc je vais vous montrer les plusieurs lieux qu'on avait pensé. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, on est un dimanche, on est en plein été, du coup, il y a énormément de monde. Du coup, on avait pensé à un petit coin ici, mais vous voyez, je suis pas très fan de ça, là. Genre, c'est pas très beau. Donc, ça va pas. Le tournage devait se faire ici, vous voyez. Genre, vous avez pas l'impression d'avoir beaucoup de monde. Mais pour nous, c'est genre pas possible. Déjà, d'un point de vue du bruit, ensuite d'un point de vue de trop ensoleillé. Moi, mon tournage, il doit se faire absolument à l'ombre. Parce que l'ombre, c'est bien, ça permet de ne pas avoir des trucs dégueulasses sur la gueule. Et ensuite, ça permet qu'on puisse voir quelque chose quand on filme, n'est-ce pas ? Voilà. Donc là, on a trouvé deux endroits. Je vais vous montrer. Du coup, comme les deux endroits n'étaient pas safe, on a cherché un autre endroit. Donc on s'est dit sur un muret ça irait pas. Parce qu'on voulait que, enfin, je voulais que pour la première scène on les voie en mode pique-nique. Je voulais qu'on les voie sur de l'herbe. Mais de l'herbe pas trop ensoleillée. Genre vous voyez là c'est très très fort. Hein. C'est hyper fort. Du coup je me suis dit on allait faire autrement. Donc j'ai cherché un endroit où il n'y avait personne. Alors du coup là forcément il y a l'équipe. Hein. Mais de base il n'y a personne. J'ai choisi cet endroit là parce que en fait, regardez, là ici on voit des arbres et un gros arbre. Du coup je me suis dit je vais mettre ici, genre la couette de pique-nique. Que ça pourrait être pas trop mal. En plus d'avoir un lieu qui a très peu de bruit, il est couvert d'ombre. Donc c'est hyper bien. Vous voyez, il n'y a personne et c'est à l'ombre. Et quand on se tourne ici, il y a beaucoup de monde. Enfin, vous n'avez pas l'impression qu'il y a du monde, mais en fait, il y a beaucoup de monde parce que ça se voit pas trop. Mais ça s'entend d'un point de vue audition. Donc, ça s'entend et ça, c'est pas possible. Donc, là, on va commencer à faire le placement des personnages. La glacière Picard. On a commencé à installer. Là, on a commencé à installer, mais c'est un tout petit peu un début d'installage. Et comme de base, à la base, dans le script, on était censé montrer une robe, mais qu'on n'a pas sur place. C'est pas grave, on a décidé du coup de changer ça et de faire montrer la robe. Bien sûr, avec nous, c'est le maître mot, hein, l'improvisation. Hein. L'improvisation. Voilà, il n'y a pas, donc on va montrer un portable. Et en fait, la réaction de Marinette va vous donner envie de voir c'est quoi cette merde. Du coup, là, on va faire une italienne. Et l'italienne consiste à dire le texte, déjà pour l'apprendre. Bah, en fait, l'italienne, c'est juste on dit le texte. En fait, on enchaîne les phrases comme ça, pas forcément avec une intonation, c'est juste pour vérifier qu'on connaît bien le. Désolée, je suis là, je suis encore en retard. C'est pas grave, comme d'habitude. Bon, faut que je t'annonce la nouvelle. Mais avant, regarde-moi cette merveille. Oh, elle est trop belle. Tu pars à la mer? Alors, tu abordes le sujet. En fait, on part à la mer. On part à la mer. C'est, tu sais, c'est le on, genre. Oui. J'ai pas assez accentué? Non. On part à la mer. On part à la mer. C'est dispo ce week-end, j'espère. C'est-à-dire que j'ai pas mal de travail avec tout ce qu'il faut que je prépare et qui est censé m'interrompre à ce moment-là. Il y a de rien. Ah, bah du coup, je vais te casser pour voir comment m'organiser. Donc, du coup, il va falloir que je. Non, c'est ça? Non. Ah oui, merci, c'est ça. Et je vais regarder de ça. De toute façon, il y a pas de problème. Donc, on irait ensemble à la mer, c'est ça? Oui, on sera tous les quatre avec Nino pour tout le week-end. Plage, glace. Glace. Plage, glace et soleil à volonté. Ah, bah, du coup, là, il va falloir que je. Te trouver un maillot. Ouais. Un maillot de bain digne de son nom. Ouais. Et après, c'est fini. Cligne des yeux et rougis. Mais j'espère que tu rougis à volonté. Hein. Là, on vient de terminer l'italienne. Comme vous avez pu le voir, c'est un peu à ce moment-là qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire
à peu près, on se pose la question, on se dit à quel moment on va faire ça, comment on le fait, là ils continuent de le refaire. Du coup là ils vont faire après ce qu'on appelle une méca, c'est mettre les gestes sur la scène, voir qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre, etc. Une fois qu'on aura fait cette méca, on pourra envisager de filmer quelque chose. Alors, à quoi faire comme genre comment démarrer la scène. En fait c'est des mini actions qui font que la scène elle a l'air réaliste en fait. Des scènes de vie. On fait des scènes de vie pour démarrer la scène. J'ai commencé à faire les mechas, donc là on est en train de mettre en place les personnages. Qui vont être où d'ailleurs les personnages? Où est-ce que vous allez vous installer? Moi je vais me mettre là comme ça, Marinette elle s'assoit là. Ou on se met comme ça. Donc Marinette elle se met sur le coin ici. Ah okay. Oh, je me mets là, c'est pas. Ok. Parce que moi du coup si je me mets comme ça, hop, genre je me mets comme ça avec bébé papuche entre mes. Bébé papuche. Ils choisissent leur position de où se mettre. Déjà, puisque Marinette arrive en retard, elle est censée arriver en retard. Donc toi, t'arrives en retard. Hein. Oui. Ok. Donc elle arrive en retard et Alia, elle arrive. Elle est déjà sur place avec les gâteaux et tout. Donc du coup, il faudrait que tu sois en train de déballer des trucs au moment où elle arrive. Parce que tu peux pas être juste avec ta peluche en attendant, tu vois. Ça va pas. Action Mika. Donc là. Elle est en train de faire ça, ok. Et on a justement Marinette qui arrive à ce moment-là. Ouais, quand je l'ai sorti. Donc elle arrive à ce moment-là, elle est essoufflée. Voilà. Comme d'habitude, allez, assieds-toi. J'ai une nouvelle à t'annoncer, mais avant, regarde-moi cette merveille. Elle est trop magnifique. Tu me rappelles pas, tu pars à la plage. Alors justement, tu abordes le sujet. En fait, c'est on qui part à la plage. Je sais pas que tu disais ce week-end. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je travaille un peu sur mes affaires. Ah c'est ça. Parce que c'est drôle. Okay. Genre, tu sais, c'est genre en mode. Ah non, vas-y, Adrien, je suis marrant. Ou alors tu lui fais peut-être un petit coup de coude, tu genre viens par là, tu sais un truc un peu plus, ouais non mais oui, ouais voilà un truc, non mais un truc un petit peu comme ça ouais, genre tu lui fais, non mais tu lui dis viens par là, ouais voilà un truc, bah, fais-lui le petit geste de viens par là, elle se rapproche, elle comprend pas, tu vois, vas-y fais-le, voilà comme ça. Voilà, un truc un peu plus. Non, je peux faire comme ça en mode. Ouais, du coup, Marinette, elle se retrouve les jambes à l'air. Ah bah, super. C'est ça l'habitude de tomber, alors bon. Ouais, mais bon. Si on peut éviter un plan entre jambes. Ouais. Une autre méca. Et on va regarder comment ça se passe et je les observe. Marinette est prête. Action méca. Alors ça, comme d'habitude, vas-y toi, faut que t'avances une nouvelle, mais avant, regarde-moi cette merveille. Elle est magnifique. C'est une robe de neige, tu vas à la mer. Tu abordes le sujet, en fait c'est pas je, c'est on va à la mer. Je sais pas, c'est pas ce week-end. Ce week-end. en fait, de toute façon, j'ai beaucoup de travail en fait, surtout. Ah ouais, Adrien, je vais voir comment on arrange. Et donc, tout ça. Oui, tout à fait. Alors, il y aura Nino, Adrien, toi, moi, la plage, le soleil, la glace, les poneys, du paradis. Ah, c'est génial. Bah, j'ai plus qu'à. Tu trouveras un maillot de bain qui te mettrait en valeur. Et c'est toujours pas ça. Digne de ce nom. Ah là c'est ça ouais. Alors un genre d'ultime méca. Ultime on essaye. Et en fait là on va essayer de faire toutes les petites expressions pour voir qu'est-ce qu'on peut rajouter dans la scène, etc. Qu'est-ce qui peut être bien. Et je pense que ce sera l'ultime méca et après on va commencer à filmer. Et on terminera les derniers petits ajustements. Bon, en train de filmer, ça fait des bloopers, n'est-ce pas? Donc voilà. Du coup, on va y aller, c'est parti. Je suis encore en retard, comme d'habitude, t'inquiète pas, si installe-toi, il faut que je te montre.
une merveille. Elle est trop mignonne. Ouais. Ah, c'est une robe de cœur. Tu parles à la mer. Alors justement, vu que tu en parles, en fait c'est pas je, c'est on qui va à la mer. Pas que c'est pas ce mais c'est le passage quand même, c'est un passage. C'est-à-dire que pour que je travaille sur... Donc on irait tous ensemble, tous les trois, c'est ça, à la mer? Oui, alors, il y aurait Nino, Adrien, toi, moi, la plage, les pommes, le soleil, la glace, faut pas oublier, c'est important, enfin le paradis quoi, c'est trop bien. C'est trop bien, mais bah, du coup j'ai plus qu'à... De trouver un maillot de bain digne de ce nom. Du coup, on termine la scène, elle est en train de manger. C'est ça. Voilà, et ouais. Là, je m'apprête à ouvrir une canette de pépère. Donc là, on va partir sur un plan d'ensemble. Et pour que ce soit un plan d'ensemble, il va falloir que j'utilise un autre objectif. Et là, le 50 mm me permet de centrer sur les personnages. Et du coup, ça va pas. Du coup, je change d'objectif. Et je vais prendre celui-ci, le 24 mm, qui permet d'avoir beaucoup plus de largeur pour un plan large et pour avoir un ensemble de scènes, enfin, voir à quoi ça va ressembler pour que les personnages, on puisse les imaginer même quand ils sont en gros plan. Et ça permet qu'on puisse les situer dans, les, dans, le, dans l'espace, on va dire. Vous commencez déjà. Voilà. Du coup, on va brancher le micro sur l'appareil, sur la caméra. En place, voilà. La perche est en... La perche est percée. Voilà, il faut l'allumer. Voilà. Très bien. Du coup, je l'allume moi aussi. On va commencer par faire un test au son, parce que faire les tests au son, c'est hyper important. On va faire un test au son, et pour ça, il faut se mettre à la même. Il faut que ce soit les acteurs qui parlent, parce que ça sert à rien de se surmo. Voilà, d'accord. Donc là, test son. Écureuil, lapin, chat, voilà. Chat, peluche. Alors en fait, le top, ça permet de dire aux acteurs que j'arrête de filmer. Comme ça, ils savent qu'est-ce qui est filmé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Dès que je dis action ou test son, ils savent que ça commence l'enregistrement. Donc là, je vais vérifier. Ça marche très bien, donc on va pouvoir commencer à faire les... Commencer à faire des plans, voir ce que ça donne. C'est que je la voie arriver de derrière. Comme ça, elle va arriver comme ça. Et du coup, je vais mettre un petit peu ici et elle va passer devant moi. Du coup, on verra bien la scène où elle est en train de faire quelque chose. Et ça permettra de rendre tout à fait aussi. Ça. Le son, il va rester au même endroit. En fait, il faut qu'il reste là où les acteurs vont être. Parce que si on se met, on le met avec moi, vous comprenez bien qu'il va, enfin, que les acteurs ne vont pas parler là où je suis, ils vont parler là où ils sont. Donc il faut que la pompette, elle soit au-dessus de leur tête. Petit tips, lorsque c'est trop sombre, vaut mieux ça que trop éclairé. Parce que quand une scène est cramée, on perd de l'information. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ça soit trop sombre que cramé. Donc là, l'idée c'est de mettre la moufette au-dessus du visage des acteurs parce que le fond est encore plus mieux. Voilà. Action! Désolée, je suis... Oh, ça... ouais. Comme d'habitude. Ma bête est tombée. Désolée. Pas de soucis. Alors, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui. Mais avant, regarde-moi cette merveille. Oh, elle est trop belle. C'est une robe de plage. Alors... Vous partez à la mer. Justement, tu abordes le sujet en fait. Mm-hmm. C'est pas je en fait, c'est on va à la mer. Alors, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a attendu un peu trop longtemps et que du coup, les acteurs savent un peu moins bien leur texte. Du coup, là, on va recommencer.
Et voilà, on va essayer d'ajuster ce qui n'a pas trop fonctionné. Il y a eu la bouteille qui s'est renversée, du coup on va essayer de la mettre sur le côté pour pas qu'on la voie. Je crois que ça gêne les acteurs quand elle va s'installer. Là j'ai fait un plan d'ensemble. Elle n'est pas bonne, mais ça me permet d'avoir au moins le plan 1 de mise en situation. Placer les acteurs. Je vais enchaîner avec un autre objectif pour voir la scène d'un petit peu plus près. Même si la scène n'est pas bonne, j'ai le début, voir la mise en situation, du coup on perd pas de temps. On enchaîne avec un autre objectif. Du coup, il faut refaire un test son parce que j'ai éteint la caméra. Le son est bon, du coup, on va pouvoir reprendre. C'est important de faire les tests son parce qu'il se peut que pendant une bonne prise, on n'ait pas de son, ce qui arrive très souvent. Essaye de faire les choses bien. Oh, je suis désolée, je suis encore tard. Alors, j'ai une nouvelle à t'annoncer, oui. Mais avant, regarde-moi cette merveille. Elle est trop belle. En fait, ça va pas parce que Marinette se met toujours devant Alia. Du coup, il y a un mauvais placement de personnage. Et du coup, il faut qu'elle se recule un petit peu et qu'Alia s'avance un petit peu. Pour qu'on voie mieux Alia, parce que c'est un... pour qu'on voie son visage. Prochain et le champ et le contre-champ. Donc là, on fait le contre-champ de Alia et après, on fera le contre-champ de Marinette. Là, je veux voir Alia. Et là, dans toute la scène que je viens de faire, ben, là, voilà. Et là, prise 3. Prise 3, action. Je suis désolée. Je suis encore en retard. En retard, comme d'habitude. Et désolée. T'es tout tombé, hein. Désolée. Pas de soucis, t'inquiète. Du coup, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Mais avant, regarde-moi cette merveille. Elle est trop belle. T'as vu, hein? C'est une robe de plage. Attends, mais du coup, tu vas à la mer? Alors justement, tu abordes le sujet. En fait, c'est pas que moi qui vais à la plage. On y va tous ensemble. Et bah, j'espère du coup que t'es dispo ce week-end. Ah, ce week-end bah, c'est-à-dire en fait que j'ai pas mal de travail sur tous mes... Il y aura Adrien. Ah, bon bah s'il y a Adrien, je vais faire en sorte de m'arranger. Et donc, on irait tous ensemble, c'est ça? Oui, du coup, il y aurait Adrien, Nino, toi et moi. Plus, bien évidemment, la plage, le soleil, la glace, les poneys. Faut pas oublier les poneys. C'est important. Enfin, que le du paradis, le plaisir, la détente, vraiment. C'est génial tout ça. Bon bah du coup, bah j'ai plus qu'à... trouver un maillot de bain digne de ce nom. N'est-ce pas? Mais arrête. Top. J'étais en train alors, de... Non, alors là, la scène, elle va bien. Mais... Non, il n'y a pas vraiment de mai. C'est juste que du coup, on voyait pas bien les expressions de Marinette, mais c'est normal. Du coup, dans ce champ-là, on voit bien que Marinette, elle bouge pas beaucoup. Mais c'est pas grave, parce que du coup, dans l'autre contre-champ, on la verra mieux. Et ça permettra qu'on la voie réagir. Parce que là, on la voit pas très bien, comme vous avez pu voir. N'hésite pas, est-ce que tu peux en refaire une? Tu le fais un peu plus prononcé. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, nous on filme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, il y a des fois, il y a des sons qui vont pas. Il y a des sabots, j'en sais rien. Est-ce que quelqu'un qui parle, on a un gars qui crie, on s'en est pas rendu compte au tournage. Doubler la scène permet qu'on n'ait pas de problème au niveau du son. Et peut-être même si on peut améliorer le jeu d'acteur des personnages, c'est mieux. Parce que du coup, ils l'ont fait une fois, donc ils sont plus à l'aise. Et plus à même de sortir plus d'expressions dans leur visage. Du coup, Alia, elle va essayer d'expressionner. Ouais. Elle va essayer d'être plus expressive. Ouais, en fait... Alia, n'hésite pas à prendre ton temps quand tu fais tes expressions. Genre quand tu regardes Marinette, genre... Ouais, mais... Action prise 4. Je suis désolée. T'es devant le... Prise 5. Action. Je suis désolée. Je suis encore... Hortin. Parfait. Oui. Pourquoi genre je rigolais alors que genre en fait t'as dit Hortin, je vais Hortin. Action.
Ah bah enfin. Je suis désolée, je suis encore en retard. Ouf. Mais et en, tu fais tout tomber. Décidément, t'as maladresse, Marinette. Alors, avant, je vais t'annoncer quelque chose. Oui. Mais quoi? Regarde cette merveille. Oh, elle est trop belle. C'est une robe de plage. Justement. Oui. T'as oublié un truc. Bah tu m'as pas laissé le temps de le dire. Putain, je me suis... Prise 7. 7. Prise 7. Action. T'as sauté. Fais tomber ta bouteille. Oh. On est mort. Ok. Action. Tu t'as parlé? Bah oui. Retard, je sais. Alors, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Mais avant, admire-moi cette merveille. Oh, elle est trop magnifique. Mais tu trouves pas? Mais oui, c'est une robe de plage. Attends, tu pars à la mer? Justement, tu abordes le vif du sujet. Alors, c'est pas jeu, c'est on va à la plage. Et j'espère que tu es disponible ce week-end. Ah, bah ce week-end, c'est-à-dire que j'ai pas mal de travail en fait sur tout. Mais merde, il y aura Adrien. Bah, bah si, Adrien, je vais voir comment je peux m'arranger. Donc, on irait tous ensemble, c'est ça? Oui, alors. Adrien, Nino, toi, oui, moi, oui. Et sans oublier la plage, le soleil, les poneys, c'est important. La glace? Ah, bah oui, l'italienne, bien bah évidemment. Oui. Ah bah ouais. Ah bah chocolat, oui. The best, ah oui. The best. Hein. Fraise, vanille. Chocolat, vanille. Ou alors chocolat, vanille, fraise. Enfin bref, du coup ça va être trop bien. Mais oui. Ça va être, et puis franchement, plaisir, de, tout. Ça va être trop, mais trop oui, bien, ça la va détente trop bien. Bon bah maintenant bah, j'ai plus qu'à... Trouver un maillot de bain digne de ce nom. Oui. Pour séduire Adrien. Ah arrête. Ah bah tu m'as laissé des gâteaux. T'as de la chance, j'ai failli tout manger. C'est vachement intéressant de rajouter des trucs un petit peu à l'impro parce que du coup on a des vraies expressions et ça se voit pas que c'est joué. C'est spontané. C'est vachement de réalisme et c'est super quoi. Là on a fait le chant. Du coup on va faire le contre-chant parce que là vous voyez qu'il y a, que ailleurs. Et du coup là on va faire le. Ouais. On va faire Marinette, ouais. Le côté Marinette. Du coup, il y a la règle des 180 mes couilles. Il faut que je me tourne de façon à avoir les épaules du bon côté. Vous allez comprendre tout de suite. Action. Ah bah te voilà. Je suis désolée, je suis encore en retard, je sais. Alors j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui. Mais avant, regarde-moi cette merveille. Oh, elle est trop belle. Tu une robe de plage. Tu vas à la mer. Alors justement, tu abordes du sujet. Ils sont pas là. 14, action. Ouh. Ah bah te voilà. Je suis désolée, je suis encore en retard, je sais. Alors j'ai une nouvelle à t'annoncer, oui, mais avant, regarde-moi cette merveille. Elle est trop belle, tu trouves? Mais oui, c'est une robe de plage. Tu vas à la mer? Alors justement, en parlant de ça... Oui. Je sais, j'ai pas dit vif du sujet. On part à la mer. On part à la mer. Ah bah te voilà. Je suis désolée, je suis encore en retard, je sais. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui. Mais avant, regarde-moi cette merveille. Waouh. Elle est trop belle. C'est une robe de plage. Tu pars à la mer? Alors justement, tu abordes le vif du sujet. Oui. En fait, c'est pas je, c'est on va à la plage ensemble et j'espère que tu es disponible ce week-end. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai plein de trucs à travailler sur mes... Il y aura Adrien. Oh. Bon bah s'il y a Adrien, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir venir. Donc on irait tous ensemble, c'est ça? Oui. Alors, il y aurait Nino, Adrien, toi, moi, déjà, la base. Ensuite, oui, il y aura le soleil, les ouais, poneys, la plage, les glaces. Oh, oui, c'est italienne, mais ah oui, italienne. Ah. Vanille, fraise, chocolat. Vanille, vanille fraise. Bon. Vanille, chocolat. Pas trop chocolat. Oh. C'est pas grave. Je vais être trop bien.
Oui. Bon, bah, du coup, il me reste plus qu'à me trouver un maillot de bain. Dites ce nom. Pour séduire Adrien. Arrête. Oh, tu m'as laissé des gâteaux. Oh. Alors, du coup, là, on vient de terminer les chants contre chants. On les a doublés les deux pour être sûr que le son soit bon, pour être sûr qu'il n'y a pas un problème de. J'en sais rien, on sait jamais. Du coup, là, on va terminer le tournage de cette scène en le faisant d'un peu plus loin pour que ça donne du dynamisme. Et parce que j'aime bien faire des plans un peu plus loin. Et qu'on peut, pour une fois, donc on le fait. Du coup, je vais me placer et voir ce que ça donne. Du coup, là, on va voir la scène en entier. Comme après les deux chants contre chants, ils savent bien leur texte. Ils vont bien se reconcentrer sur les quand ils prennent les objets, etc. Là, par contre, faut faire gaffe parce qu'on va tout voir. Normalement, au niveau texte, c'est bon. C'est juste au raccord du geste. Prise 16, action. Ah bah te voilà. Oh, je suis désolée. Je suis encore en retard, je sais. Alors j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui. Mais avant, admire-moi cette merveille. Elle est trop belle. C'est une robe de plage. Ouais. Tu vas à la mer. Alors, tu arbores le. Tu arbores. Écoute, hein. C'est arbore, ça existe. Ah bah te voilà. Je suis désolée, je suis encore en retard, je sais. Alors, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui. Mais avant, admire-moi cette merveille. Oh, elle est trop belle. Tu trouves pas? C'est une robe de plage. Tu pars à la mer? Alors, justement, tu abordes le vif du sujet. Oui. En fait, c'est pas je, c'est on va à la plage et j'espère que t'es disponible ce week-end. Ah bah, c'est-à-dire que ce week-end, j'ai plein de trucs à travailler sur lui. Oh! Ah! Je suis Adrien, bah je peux pas voir comment je peux m'arranger. Donc on irait tous ensemble, c'est ça? Oui, alors du coup, Yuri, Adrien, Nino, toi, moi, principalement. Après, on a le soleil, la glace. Il y a trop de bruit, ça me dé. Oh, ouais, ça me dé. Il y a trop de monde. Ah bah te voilà. Je suis désolée, je suis encore en retard, je sais. Alors, j'ai une nouvelle à t'annoncer, mais avant, admire-moi cette merveille. Elle est trop belle. Franchement, ouais. C'est une robe de plage, mais tu pars à la mer? Alors justement, tu abordes le vif du sujet. Oui. En fait, c'est pas je, c'est on va à la plage et j'espère que t'es disponible ce week-end. Bah c'est ce week-end, c'est-à-dire que j'ai plein de travail sur mes gueules. Il y aura Adrien. Oh. Bon bah c'est Adrien. Je vais voir comment je peux m'arranger pour venir. Donc on partirait tous ensemble, c'est ça? Oui. Alors du coup, il y aurait Adrien, Nino, toi, moi, oui, principalement. Après, on a le soleil, les poneys, la plage, oui, les glaces, italiennes, oh, oui, chocolat, fraise, vanille, fraise. Enfin bon, ça va être l'éclat total, mais ça oui, va être trop bien. Ça va être trop génial. Bon bah du coup, il me restait plus qu'à me trouver un maillot de bain digne de ce nom. Bon, ça va être dur, ça... Putain de merde. Mais ça va être trop bien. Bon bah il me reste plus qu'à me trouver un maillot de bain digne de ce nom pour séduire Adrien. Ah, arrête. Ouh, tu m'as laissé des gâteaux. T'as de la chance, j'ai failli tout manger. Du coup là on vient de terminer la scène de loin quand ils parlent. Du coup là on va terminer et compléter la scène avec des petits plans de situation, j'appelle ça. Donc on va terminer la scène par des plans, des petits plans de situation. C'est-à-dire quand Marinette elle court, donc des plans pieds, ou des plans quand elle court, donc on voit son visage qui regarde son portable ou genre elle est pressée, etc. pour montrer. Pour dynamiser aussi la scène, pour que les gens aussi se posent un peu des questions. Et puis j'aime bien quand il y a plusieurs plans, ça rend tout dynamique.
Avec Alia, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle attend. Elle regarde son portable, elle regarde en l'air. Des plans un petit peu qui introduisent la scène, en fait. Normalement, il n'y a pas de son, hein, parce que généralement, je mets que de la musique. Donc, pas besoin de prendre de son. Donc, c'est parti. Donc, la prise 22, elle a mimé un gâteau. Et bah, c'est très bien. Du coup, j'ai mimé un gâteau, c'est triste. C'est trop triste. Elle a mimé un gâteau, du coup, elle va pouvoir le faire en vrai. Et je pense que ce sera la bonne prise. Action. Top. Et bah c'est très bien. Le gâteau est bien, il a bien tourné. Alia a très bien tourné. Du coup, on va terminer par quelques plans de marinette qui courent. Du coup, un petit plan pied et un petit plan de visage qui court. Je vais suivre en courant. Du coup, je vais rejoindre Marinette pour faire ses plans. Là, on dirait qu'on vient de la porte. Du coup, on décide de bouger la poubelle pour que le plan rende mieux et pas avec une poubelle moche. Waouh! Ici, on enchaîne avec un plan pied. On essaye. Action! Stop. Est-ce qu'on arrivera à la refaire sans avoir le truc moche? Ouais, sans avoir le truc moche, ouais. C'est ce que je me disais. Ouais. Action. Action. Ah, ça fait. Yes. Remets la poubelle en place. Oui. Très bonne. Ça, action. C'est du tournage responsable et éco. Du coup, on en a terminé avec cette scène-là. On va pouvoir enchaîner la scène suivante qui se passe une semaine après. Mais moi, je vous dis à tout de suite sur le. Bah, en post-prod, hein. On est parti pour la post-prod. Yes. Voilà, le tournage est terminé. Donc, on va pouvoir passer au montage. Et ça se passe dans une autre vidéo ici.